Comment une femme porte disparue? Oui, une porte disparue parce qu'il ne sait pas d'abord là où il est. Mais avant son arrestation, il m'a appelé. Il m'a appelé quand il était dans son bureau. Il m'a appelé hier. Quand j'étais dans la voiture, Bala Samora m'a appelé. Bala Samora a dit qu'il a une convocation. Arrivé à son bureau, il a trouvé des gendarmes. Les gendarmes nous ont montré une convocation, mais il n'a même pas eu le temps de lire sa convocation. Mais il a insisté quand même de m'appeler pour m'expliquer ce qui se passe. C'est Bala Samora qui a arrêté mon mari. Mon mari m'a appelé avant qu'on l'embarque dans l'air du corps. Il m'a appelé. Il me dit, Bala Samora m'a appelé quand j'étais dans la voiture. Il dit, Céleste, mon colonel, vous avez une convocation. Je lui ai dit, ok, je vais me présenter. Arrivé à son service, il a trouvé les gendarmes là-bas. Les gendarmes, ils ont présenté une convocation. Maintenant, quand il m'a dit ça, depuis ce jour, je l'ai appelé, son téléphone sonnait, personne ne répond. Je l'ai écrit, personne ne répond. Mais le lendemain de son arrestation, aussi, j'allais à son service. J'ai demandé de se diriger vers son adjoint. Je l'ai demandé, j'ai dit, depuis hier, je n'ai pas vu mon mari. Pourtant, mon mari ne me touche pas. Et puis, je suis venue, j'ai trouvé sa voiture garée dans votre cour. Je n'ai pas vu mon mari, je ne sais pas là où il est. Je l'appelle, son téléphone sort, téléphone se décroche. Il m'a dit, madame, même moi, j'étais même étonnée. Cela, ça n'a du genre. J'étais même étonnée quand j'ai vu les gendarmes avec la convocation. J'ai appelé Bala Samora, son adjoint. J'ai appelé Bala Samora, il dit, mon général, vous n'êtes pas trompé, c'est le même Célestin. Il dit non, et puis il ne cesse même pas à fouiller. C'est son adjoint. Donc, je suis allée au commandement. Je suis partie là-bas. J'ai tout fait. On ne m'a pas laissé boire Bala Samora. Depuis ce jour, là où j'étais, on m'a délogé. Ou même me voir là où je suis. Je suis même malade comme ça. C'est tellement souffrant. Depuis avant que je suis. Pourquoi on vous a délogé? Je ne sais pas. Je ne veux pas expliquer cela. Mais moi, ça, c'est bien. Mais je veux voir comment mon mari. On vous a donné peut-être, c'est, est-ce que le local a été payé ou bien peut-être que, est-ce que votre concessionnaire doutait parce que votre mari est arrêté, est-ce qu'il ne craint pas aussi? C'est ça. Peut-être qu'elle craint. Elle craint. Mais pour paiement, non. Peut-être qu'elle craint. Mais moi, je vais voir mon mari. Moi, je vais voir mon mari. Aidez-moi à arrêter mon mari. Personne d'autre n'a arrêté mon mari. C'est Bala Samora qui a arrêté mon mari. Bala Samora, général Bala Samora qui a arrêté mon mari. La famille se porte mal. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. La famille se porte mal. Ses enfants me demandent tout le temps. Même hier nuit, ma fille m'a demandé, maman, papa me manque. Où est papa? Il faut appeler papa. Je prends le téléphone, j'appelle papa. C'est papa, ça sonne, mais personne ne décroche. Aujourd'hui, quel message lancez-vous à l'endroit des autorités? Je prie Colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à aider à me retrouver mon mari. C'est ça. Mon message. Je vais voir mon mari.
Je le prie. Il n'a qu'à m'aider à retrouver mon mari. Je n'ai rien d'autre de me voir mon mari. Je n'ai aucun local de mon mari. Mais si quelque chose arrive à mon mari, c'est Bala Samoura. Ce n'est pas une autre personne, c'est Bala Samoura qui a été mon mari. Je me sens mal. Les enfants me demandent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait.